vraiment partie des œuvres majeures. Voilà, c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre de la danse. Des pièces qu'on peut faire presque 40 ans après et dont on a l'impression qu'elles ont été créées hier, il y en a très peu. Il y en a très, très, très peu. Tous les ans, on a 4 ou 5 chorégraphes qui reviennent, classiques ou contemporains, et qui font soit des créations, soit des reprises de pièces. Il faut savoir que l'Université de Lyon est donc une communauté d'universités et de grandes écoles, où il y a beaucoup d'acteurs qui forment des futurs professionnels à la culture. Maggie Marin, qui pour la première fois a accepté de donner sa pièce à des petits jeunes. Ben, c'est un moment émouvant, je dirais, oui, de voir... De voir ces jeunes danseurs s'emparer de ce travail, de les voir grandir avec. Bloc, bloc, trois fois, ouais, ouais, trois fois, bloc, 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 bloc. C'est surtout toute la valeur pédagogique d'ailleurs, à la limite, qu'il y a dans la transmission, qui était ici extrêmement importante. Enfin, moi, je pensais au début qu'on n'aurait pas forcément les épaules pour la porter, parce que je pensais qu'il fallait... une certaine maturité que peut-être on n'avait pas. Et voilà, et Maggie a été là en début et surtout en fin aussi pour nous réorienter sur des petites choses qu'on avait perdues. Il y a aussi cette musique de Schubert qui existe aussi à travers l'écriture. Moi, je trouve qu'il y a une très belle balance entre le geste, le mouvement, les déplacements et l'écoute de la musique. Voilà. Donc, c'est une chose qui demande à être respectée très scrupuleusement. Alors, c'est vrai que la chorégraphie est très précise, notamment le rapport à la musique est très, 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 très précis. À chaque compte, il faut vraiment qu'on soit au temps près. Et ce qui est important, c'est aussi d'être très très juste sur un temps. Entre deux temps, on peut laisser un espace qui peut être plus ou moins grand et baver un peu le mouvement. Là, le mouvement doit être très très clair et doit arriver pile sur le beat, sur le temps. La précision, c'est quelque chose d'important et qui est assez difficile dans cette pièce parce qu'on est en groupe et si quelqu'un n'est pas précis dans son intention, dans ses directions, dans son espace, et qui déborde un peu sur les autres, du coup ça fausse tout, il faut qu'on se recale tout le temps. Donc c'est vraiment, oui, ça demande d'être très attentif et beaucoup beaucoup d'écoute. Il y a l'idée que là on forme des futures générations qui vont être dans des choses complexes. Cette culture peut aussi donner des éléments, je vous dis, des regards croisés, d'un objet critique, une approche sensible, qui seront certainement nécessaires aux futurs chercheurs de demain, aux futurs instituteurs, aux futurs historiens. La culture, au sens large, ne peut que nourrir. C'est une œuvre qui concerne l'œuvre de Beckett. Donc Maggie a beaucoup travaillé sur les textes écrits, sur les théâtres, sur les paroles de Beckett, et elle en a fait son interprétation en se basant aussi sur les personnages qui habitaient les œuvres de Beckett. Beaucoup de choses qui sont dans la pièce sont dans le texte de Beckett. Il y a des mouvements qui sont décrits, les pas qu'ils font, c'est un peu retravaillé bien sûr, mais c'est aussi en fin de partie, on a Clove qui n'arrête pas de faire des allers-retours avec des petits rires brefs. C'est d'ailleurs des didascalies qui sont inscrites, donc voilà, des rires brefs. On a dans pas, la pièce pas, un va-et-vient d'une femme à l'avant-scène qui fait un certain nombre de pas. Il a toujours été très, il y a un côté mathématique en fait, il y a un côté combien de pas on fait, quoi. Et ça, c'est directement tiré de ses lectures. Et personnellement, ça me touche d'être justement sur un équilibre entre du jeu et en même temps juste incarner quelque chose de manière la plus brute possible, et je trouve ça très intéressant aussi d'expérimenter un corps plus vieux, des choses plus moches, enfin quelque chose où on n'est pas
comme on cherche à l'être au quotidien, par cette période de notre vie, on essaye d'être quand même le plus beau, le plus fort, le plus, enfin, plus ou moins un peu inconsciemment, parce que c'est ce qui est demandé, et c'est la période de notre vie, on est là-dedans, et c'est intéressant, je trouve, enfin, pour moi, de prendre le risque d'être un personnage vieux, moche, méchant, enfin, avec ses névroses, des choses qu'on a en nous et qu'on essaye de cacher. Je trouve ça beau de mettre ça sur scène. Ça va peut-être finir. C'est vrai que c'est important dans cette quatrième année, le temps de la scène qui vient valider en fait les trois années précédentes. C'est très bien que les campus partagent leur lieu de représentation, comme le Théâtre Astrée à Lyon 1, comme la salle de spectacle à Lyon 2. Ça correspond tout à fait à déjà aussi l'idée de mélanger les étudiants entre eux, hein, ceux qui se forment à l'art, mais ceux qui se forment à autre chose. Donc il y a un dialogue entre ces différents étudiants, et puis un dialogue entre ces différentes institutions et ces lieux. Je pense que ça fait partie des qualités qu'on essaye d'inculquer aux étudiants, les qualités d'un danseur après professionnel. Il y a la curiosité, il y a la passion, l'envie, il y a ce goût pour le spectacle vivant qui en soi est chaque jour, chaque moment, chaque instant est différent. Puis ça permet aussi aux danseurs de prendre contact avec tout ce qui se passe en dehors du plateau, c'est-à-dire la technique, le son, les éclairages, les gens qui sont là pour aider, que chacun a sa responsabilité, mais qu'au final, on est tous là pour le même voyage. Maggie Marin, je suis très admiratrice de son travail, de sa personne humaine. Je pense qu'on ne peut être que humble et extrêmement attentif à toutes les paroles de cette femme, parce que enfin, moi, personnellement, elle me touche profondément. Ça parle de l'humain, donc en fait, ça parle de nous, donc on est tous concernés par cette pièce.